Aujourd'hui, je vais te montrer une séance PEC en semi-immersion à la salle que j'ai faite avec mon frérot. Franchement, c'est une séance, on a mis l'intensité, on a mis du volume, on a fait les choses bien, on s'est fait mal. Et c'est ce qu'il faut, surtout pour ceux qui ont du mal à sentir leur PEC, parce que cette séance, elle est faite pour ça. Et là, c'est une séance en semi-immersion, ça veut dire qu'il y aura le son de la salle, avec des conseils aussi que je donne à la salle, mais aussi des conseils que je donne en backstage, ok? Pour appuyer mes arguments, pour te dire le pourquoi du comment, et pour t'aider à t'améliorer au niveau des pecs. Échauffement, la partie la plus importante de l'entraînement. Ce que j'aime bien faire, c'est 5 minutes de rameur, entre 5 et 10 minutes, mais à 5 minutes, tu es déjà chaud, donc 5 minutes de rameur, c'est excellent, vraiment. C'est le meilleur exo que tu peux faire pour l'échauffement, surtout pour le haut du corps. De toute façon, là, on va balancer 3 reps et va sur latéral. On va faire 2-3 séries pour bien nous chauffer les épaules. Là, on va faire mal au niveau des pecs. Et les épaules sont sollicitées. On va faire ça bien. Trois séries, 30 reps, élévation latérale. Ça m'aide à bien chauffer mes épaules avant de bosser les pecs. Parce que c'est important, je fais tout le temps ça. Parce que quand tu bosses tes pecs, tes épaules sont sollicitées de fou et beaucoup de personnes se font mal aux épaules. Donc moi, j'aime bien chauffer mes épaules pour préparer mes pecs au combat de la meilleure des façons. Donc, trois séries, 30 reps, charge légère. Comme ça, on fait ça bien. D'ailleurs, désolé si ma voix elle est un peu étouffée. En salle, j'ai un outil isolation vocale sur mon logiciel qui fait que on entend moins le bruit des poids d'air et de la musique et ça accentue plus sur les voix. Et parfois, ça étouffe un peu les voix. Mais au moins, on fait les choses bien. Là, on va se faire la double contraction aux haltères. Et juste après, biceps et de façon latérale. 10-10. Ça bien. On commence à être 24 parce que c'est léger, on va monter après. Voilà pourquoi c'est un canard. Mec, tu vas sentir la séance aujourd'hui. Fais ça bien, mec. Pour l'instant, comme je dis, c'est léger. 24 kilos. Une. Deux. Trois. Très bien. Quatre. 5, 6, 7, 8, allez, 9, parfait. Cinq, allez, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Comment tu sens le premier exemple? Ça tape déjà. Ça tape déjà? Ouais. Ouais, les choses bien, mec. Ça commence à chauffer, là. C'est bon, c'est bon.
contraction, c'est un exo qui fait du bien, vraiment. Surtout quand tu as du mal à sentir tes pecs. C'est un exo où faut être concentré, faut être focus. Et c'est l'exo qui envoie un signal à ton corps. C'est l'exo qui te dit, aujourd'hui, on va bosser les pecs, on va faire les choses bien. Donc, faut être focus, faut être concentré. Moi, j'aime faire ça en charge moyenne parce que double contraction, tu fais une demi-rep, une rep complète. Donc, c'est comme si que tu faisais le double de tes reps complètement. Donc, tu peux pas mettre lourd. Ok, donc moi, en général, je suis inférieur à 30 kilos dans ce mouvement. J'ai combiné ça avec un superset élévation latérale avec des charges plus lourdes que l'échauffement, histoire de bien sentir mes épaules aussi et aussi travailler mes épaules. Parce que cette séance, c'est une séance pec, rappel épaule et à la fin triceps. Là, on va bosser en unilatéral avec ça. On va faire 10 reps avec un bras. 10 reps avec l'autre bras et 10 reps avec les deux. On va faire ça 3 fois. Pas d'épaule à la fin. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, ok. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, last, 10, ok, parfait. Excellent. Développé couché aux haltères en unilatéral. Franchement, ça, c'est un exercice qui fait très mal aussi, mais qui est important. Si tu as du mal à sentir tes pecs, si c'est très compliqué, ce deuxième exo-là est fait pour ça. Franchement, on est dans le contrôle, on est dans la douleur, on est dans la difficulté, mais c'est ce qu'il faut. 10, 10, 10. On a gardé les 24, juste pour le contrôle, et aussi parce que après, par la suite, on allait monter au niveau des poids, donc on est resté sur 24, même si que j'ai essayé d'en faire à 30. Tranquille. Normalement, on va assumer. Thank you.
C'est incroyable. Juste après ça, j'ai remis les 24 pour la simple bonne raison que après on allait mettre lourd, on allait se faire mal, vraiment. Donc j'ai préféré conserver mon énergie afin de faire les choses bien. Donc là tu remarques d'ailleurs qu'il n'y a pas de biceps, il n'y a pas de superset, parce que cet exercice-là est déjà assez fatigant comme ça. Donc après, pas d'élévation latérale derrière, juste ça, ça suffit. Et ça, c'est l'exercice qui permet d'activer les pecs. Tout aussi efficace que la double contraction, mais double contraction plus ça, là c'est incroyable. Après tout ce que tu vas faire après, tu sentiras bien tes pecs. Exercice suivant. Direct, on va faire 3 séries en lourd. Je peux les 50, on va pas. Oh. Dès que t'es prêt, 44. Je suis là. 8 ou direct. On reste dans la prise de masse. À 8 ou 10 répétitions. Et je t'aide à les lever. Putain, t'as une condition de fou. Première, t'es avec moi? Première, je suis avec toi. Hop, voilà. Une, ouais. Deux, trois, quatre, ok. Cinq, ouais. Allez, six, très bien. Sept. Allez, on s'arrête à 8. Allez. 8, ok. Parfait. On sent que ton bras droit, il a un léger manque de force. Sur le bras droit. Ouais. Sur son bras droit, tu commences à lâcher un peu plus. Ouais. Mais t'inquiète. Ça, avec tous les exos unilatérales et tout, on va attraper ça. Mais c'est bien là. C'est bien parce que ce qu'on a fait là, c'est fort. On a commencé avec un super set. Juste après ça, on a travaillé en unilatéral. Après, on met lourd derrière. C'est fort, hein? Ah bah, c'est fort, c'est fort. Et on fait 3 séries. Je vais faire comme ça. Je vais baisser. 40 kilos. 40 kilos. Parfait. Après, moi, 50, j'ai mal, hein? J'ai mal là. Hein. Je sais pas si je suis toutes mes séries à 50, mais 3, mais j'ai mal, hein. Vraiment. Oh. C'est les triceps qui commencent à s'énerver. On voit ça. C'est dur. C'est rien. On a connu pire. Allez. Je pense qu'à la dernière, je pourrais faire à 50. 50 à la dernière? Ouais, je pense. Allez, mec, fais ça bien. Focus. Je t'ai levé ou pas? Première. Pour la première, ouais. Okay. Parfait. Allez. Une. Ouais. Deux. Trois. Ok. Quatre. 5, ouais. Allez, 6. 7. Au moins 8. Allez, allez, allez.
8. Ça va, la force elle est là. La force elle est là. C'est bien. Et tu vois, au niveau d'assistance, moi j'aime bien assister en poussant là. Certaines personnes ils vont pousser là, ils vont pousser là, ouais. Ça va te gêner plus qu'autre chose. Ouais. Alors que quand tu pousses là, c'est beaucoup mieux. T'as pas de douleur tendineuse et t'es bien. Tu veux être serré. Donc moi je pousse tout le temps là. Sur les triceps. C'est mieux. Sur les triceps, exactement. Okay. Dernière rep, premier rep, toujours. Oh. Allez. Yeah. C'est bon. Ça bien. Avec moi pour la première. Je suis avec toi pour la première. Parfait. Allez. Une. Ouais. Deux. Trois. Super. Quatre. Cinq. Ouais. Six. Ok. Sept. Last. Pas besoin de moi pour la dernière. Allez. Allez. Super, 8. Excellent. Excellent, excellent. Là, ce qui est intéressant, c'est que le frérot pouvait mettre plus lourd au vu de son niveau, ses années de muscu et la force qu'il a. Mais ce qu'on a fait avant, ça fait mal. La pré-fatigue qu'on a fait avant, double contraction. Enfin, déjà, les 30 reps de façon latérale, double contraction. On a bossé en unilatéral les pecs. Juste après ça, bah, tu mets lourd. Bah, la force n'est pas pareille, la gestion de force n'est pas pareille, tu vois. C'est pour ça que là, c'est un peu plus compliqué, même si qu'il a géré. Vraiment, il a géré sans souci. Par contre, de base, il s'entraîne pas comme ça. Ça veut dire que là, là, je laisse 2 mois comme ça, il va exploser ses perfs, il fera les 50 comme moi, en parlant en même temps. Oui, parce que moi, tu vois, c'est facile pour moi. Sachant que je suis assez lourd, là je suis à 95 kilos, c'est incroyable. Mais au niveau des poids et mon endurance musculaire, je suis imbattable à ce niveau-là. Et aussi, j'ai l'habitude de m'entraîner comme ça, sous tension, m'entraîner avec peu de repos, me faire mal, j'ai l'habitude. Donc là, on a fait les choses bien par rapport à ça. Au niveau de l'assistance, c'est vraiment important ce que je veux dire, parce que quand tu t'entraînes avec un mate ou voilà ou une personne que tu connais pas, et tu lui demandes de t'assister sur un mouvement en musculation, notamment sur le développé couché, que ce soit la barre ou aux haltères, mais on va plus parler des haltères, pour moi, il est important d'assister correctement. Moi, j'aime bien pousser là, tu vois, sous le triceps. J'aime bien. C'est mieux et c'est plus agréable. Quand tu assistes une personne et que tu lui pousses là, il est bien, il est aidé, il est rassuré et il n'a pas de douleur. Certaines personnes vont mettre leurs mains hop, dans l'articulation ici. Ça va être très gênant parce qu'ils vont appuyer là, ils vont tirer là. D'autres personnes ils vont tirer là. C'est encore plus dangereux de faire ça. Et moi, je trouve ça... Moi, je trouve ça nul. Et pas efficace du tout. Quand tu veux bien assister, pousse juste ici, là. Juste là. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. T'as juste à pousser là. Et c'est bon. Comme ça, la personne assistée n'aura pas de douleur articulaire, de douleur tendineuse. Et elle se blessera pas. Tout simplement. Et surtout, les gens qui assistent là, là. Arrêtez de faire ça. Vraiment, arrêtez de faire ça. Écarté couché. Aux haltères. 2 secondes. Contraction. Et juste après, élévation latérale, 20 reps, biceps. J'aime beaucoup.
terrain. C'est facile, mais c'est normal. On va arrêter. Allez, fais ça bien. Une, on bloque 2 secondes. Deux. Trois, super. Quatre, parfait. Cinq. Six. Sept, ok. 8, 9, last, 10, parfait. Ouais. 20 reps, on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez. 11, 12, 13, 14, allez, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ok. Écarté couché, superset avec élévation latérale, ça, c'est un exo qui met une petite pause dans le programme parce que on a fait un cycle très fatigant avec les exercices qu'on a fait précédemment. Et juste là, t'as un exo qui fait office de récupération, qui va te faire mal, qui va te faire du bien, mais qui a fait office plus de récupération qu'autre chose. Écarté couché, ce que j'aime bien faire, c'est mettre le banc incliné. Je l'incline à 1%. J'ai 1% parce qu'en fait tous les bancs ils sont différents et tous les degrés ne sont pas ne sont pas les mêmes. Donc je l'incline juste de une seule fois et je fais mes séries tranquillement. Ce qui est bien, c'est que quand tu fais ça, ça améliore ta posture. T'as une posture où tes épaules sont plus en arrière que renfermées. Et ça fait du bien, vraiment. Et après, élévation latérale pour savourer la congestion. Et aussi pour donner ce petit rappel épaule du programme. Note à savoir, les élévations latérales, ça va être le seul exercice épaule de ce programme. Parce que dans tous les exos, pec, principalement tes épaules, ils ont un petit ressenti. Nous, ce qu'on a fait, on a fait des élévations latérales pour accentuer encore plus le ressenti épaule. Mais la partie latérale, et puis voilà, on n'a pas fait de développé militaire. Pas fait du ça, on aurait pu. Mais on a vraiment voulu se focus sur les pecs pour ce programme. Là, on va se faire développé couché en prise neutre, tranquillement. Une répétition, 3 fois. Pas de tempo. Allez mec, 8 reps, on fait ça bien. Une, deux, trois, quatre, allez, cinq, six, sept, huit, parfait.
Dernier exo pec développé couché en prise neutre. Franchement, c'est incroyable. C'est l'exo qui m'a refait découvrir les sensations au niveau des pecs. Parfois, je le mets en deuxième, parfois, je le mets en troisième. Là, je les mets en dernier, histoire de bien sentir mes pecs et être content. Ça, c'est un exercice où quand je le mets en dernier, il n'y a aucun tempo, il n'y a rien. Mais de base, j'aime bien rester 2 secondes et monter. Bloquer 2 secondes et monter. J'aime bien faire ça. Mais là, voilà, avec la fatigue, après tout ce qu'on a fait, on a mis lourd et tout. Pas de tempo, rien que de la destruction en 8 répétitions. Franchement, c'est un exo que je t'encourage de faire. Ça va pas trop engager tes épaules, tu seras bien. Il se peut que tes triceps prennent un peu le relais, ça les triceps en point fort. Mais si tu fais des exos pec avant, de la pré-fatigue avant, et tu mets ça en dernier, tu seras tranquille. C'est un bon exo, vraiment. 20 répétitions, supination, 20 répétitions, pronation, triceps, faire ça bien. Protocole. Protocole, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, parfait. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Dernier exo triceps pulley, je pense que si tu me connais, tu sais, hein, c'est mon exo préféré que je fais tout le temps pour les triceps. 20 répétitions supination, 20 répétitions pronation, barre droite, on fait ça bien. Ça, c'est un exo où tu vas tellement ressentir tes triceps qu'après tu seras bien, tu seras vraiment bien. Tu verras tes triceps changer, évoluer. Comme je dis souvent, les triceps, il faut les travailler avec de la répétition. Quand tu les fais à la poulie, faire des 4 x 10 et tout, c'est bien au début, mais au bout d'un moment, si tu veux vraiment les faire sortir, c'est un grain un peu comme les biceps, hein. Il faut mettre des répétitions, vraiment. Surtout si tu as un seul exercice triceps, comme ici dans le programme, et que tu as un truc comme ça, mets des répétitions. C'est important. Si j'aurais voulu accentuer un peu plus le travail des triceps, j'aurais mis certainement de la barre au front dans le programme parce que c'est le meilleur exercice triceps pour les faire grossir. Ou alors peut-être que j'aurais mis des dips à la fin pour donner encore un peu plus un ressenti au niveau des triceps. C'est important. J'en pense de la séance. Séance smart. Ouais. Pas forcément des charges très lourdes, mais on la travaille intelligemment. C'est ça, on s'est fait mal surtout. Ça fait très très mal. Charge légère. Enfin légère. Moyenne. Avec du tempo. Du tempo. C'est ce qu'il faut. Ça s'est bien passé. C'est important. Et on fera d'autres séances encore, mec. On va faire ça bien.
toujours au rendez-vous. En tout cas, merci beaucoup. T'as tenu. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Il y en aura d'autres. Si t'aimes ce genre de vidéo, dis-le-moi dans les commentaires. On va faire d'autres vidéos de ce format-là avec le frérot, mais aussi avec d'autres frérots. Peut-être faire des vidéos en groupe et tout. On va se challenger, on va se faire mal. Ou peut-être d'autres personnes dirigeront leur séance. Et puis voilà, on va faire les choses bien. En tout cas, mets un j'aime, un commentaire, partage la vidéo, abonne-toi, c'est pas fait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.